Maintenant qui signe deux scratchs de suite, notamment dans la première avec 3 minutes 44 secondes. En ce qui concerne la spéciale numéro 1, numéro 2 et numéro 3, et un scratch provisoire si c'est possible. Allez, Sandria maintenant, service de départ. Deuxième temps sur l'épreuve numéro 1 avec 4 minutes 21. Allez, en gros, mon Dieu. Temps couvert avec des ondées et quelques rayons de soleil, telles étaient les conditions météo de cette quatrième manche du championnat de France tout-terrain situé cette année à Château-Thierry-Coincy. Plus de 100 concurrents, parmi lesquels tous les ténors de la discipline, constituaient le plateau de ce 14e tout-terrain Jean de la Fontaine qui s'annonçait ouvert. Dès le samedi matin, dans le prologue, qui sert à déterminer les places de départ, dans la première spéciale, une bagarre superbe laissait présager de la suite des hostilités. Dans le premier tour du samedi, la première spéciale de Coincy est remportée par Bridavoine Pata, numéro 27, en 3 minutes 4 secondes, suivi de Breton Daniel à 9 secondes, Leffembel à 13 secondes, Philippe à 16 secondes et les frères Poincelet à 17 secondes. Dans la spéciale de Bruyère, ce sont les frères Philippe qui s'octroient le scratch avec un temps de 4 minutes 28, talonné par Breton Daniel à 1 seconde. Dans l'avant-hier, la troisième spéciale du premier tour, le scratch est remporté par Brian Pata, toujours eux, avec un temps de 2 minutes 23, suivi de Jacquier à 2 secondes. Que se passe-t-il derrière? La paire Prodhomme pointe sur un buggy tout nouveau. Le doyen du championnat, 53 ans, a conçu un buggy développant 150 chevaux et qui donne bien du fil à retordre aux autres concurrents car la paire n'est pas un homme à s'en laisser compter. Dans Coincy, ce sont Chausson Zizer qui font le scratch en 3 minutes 43 sur la Jumbo numéro 33. Jérôme, il y a tout ce qu'il faut, tu termines maintenant en maintenant l'autre, à celui qui est devant. Dès le dimanche matin, Bridavoine Pata s'octroie les deux premières spéciales, la troisième étant remportée par Girardin Gervais en 2 minutes 5. À l'arrière, la lutte est tout aussi âpre,
dans le groupe 4, Hardy Guillard, confortent leur position en se classant en tête de leur groupe. Sans faire d'éclat, la Toyota numéro 43 de Rollet Philbert assure sa course. Le Pajero de Sauvêtre Chal, numéro 103, est toujours aussi limite. Sans oublier quelques berlines qui font acte de présence, j'ai bien dit acte de présence. Comme on peut le voir plus à l'aise sur ce rallye, les buggy ont une meilleure adhérence, une meilleure attaque que les 4x4, qu'on se le dise. Ça part dans tous les sens, même dans le troisième tour, le dimanche, même scénario avec cette fois-ci Calzavara, numéro 3, qui réalise une belle course, une belle remontée. Derrière le numéro 11, Turon se défonce aussi, mais c'est plus difficile. Sur ce type de terrain, les 4x4 du groupe SIT se sentent vraiment plus à l'aise, il faut dire que le terrain est moins gras. Durant la spéciale de Bruyères, coup de théâtre. Paccio Di Chardin sont contraints à l'abandon sur casse mécanique. Malheureusement, nous ne les verrons pas. Le scratch revenant à Turon-Rivet en 3 minutes 45, qui eux-mêmes, dans le même temps, rentrent avec une roue crevée. A noter aussi l'abandon du buggy de Labert Prodhomme sur un début d'incendie. Dommage pour le doyen du championnat car il occupait la 16e place au classement général. Pas de veine pour lui. Avec un terrain qui, au fil des tours, avantage de plus en plus les 4x4. Le spectacle est bien au rendez-vous avec tous ces 4x4 et je peux vous dire que les spectateurs ont vraiment passé un excellent week-end. Tu sais où elle est la mise à l'air, François ? Un 9. Chef a dit un 9. On est là ? Il y a deux. Il y a deux. Bon, il faudrait que tu jettes un œil. Les deux dernières spéciales sont remportées par Chausson Cizer sous Jumbo, un équipage dont il faudra se méfier lors des prochaines manches du championnat. Et l'autre est à mettre à l'acquis de Breyaboan Pata. Cet équipage remporte 9 spéciales et déplace en tête du classement final et vainqueur du 14e rallye tout-terrain, Jean de La Fontaine.
Quant à l'équipe organisatrice, elle a été moins efficace que celle de l'année dernière, mais elle sera mieux l'année prochaine. On me l'a dit dans le creux de l'oreille. Encore une fois, Bridavoine et Pata sont à l'honneur. Les deux compères remportent le 14e rallye Jean de la Fontaine. A bientôt et merci pour le spectacle.